un petit rat de l'opéra qui passait à tout petit pas sur l'avenue de l'opéra. Un, deux, trois, quatre, chassés et croisés, volés, cambrés, mademoiselle. Un, deux, trois, quatre, partez du pied gauche ou du pied droit. C'est encore dans l'euphorie complète de la soirée d'hier. C'était le départ de mademoiselle Claude Bernstein. Vous connaissez pas mademoiselle Claude? C'est la chorégraphe principale, enfin la professeure de la classe des petits rats de l'opéra. Et hier, elle partait, c'était émouvant, émouvant. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Il faut dire que pour mademoiselle Claude, les petits rats, c'est toute sa vie. Hein. Enfin, pour moi aussi, parce que moi, je suis entrée à l'opéra bien avant mademoiselle Claude. Ça a commencé très tôt, à mon envie de devenir petit rat. Ben, il faut dire qu'avec mes parents, on habitait près du métro opéra et que dans notre immeuble, il y avait plein de rats. Ça m'a fait une espèce d'accoutumance positive, je les ai observés, j'ai fait une forme de mimétisme. Alors, petite, j'apprenais toute seule, le lever de jambes, le chasser croisé, le saut de chat, et en fin de soirée, ben, tu montres ce que tu sais faire à tes parents, et là on te dit, ouais, ouais, t'es très douée, mais c'est pas pour toi, tu fais pas le poids. Alors que j'étais à peine quelques kilos au-dessus de la norme, hein. Pas plus quoi. Alors quand j'ai vu qu'ils cherchaient une femme de ménage pour la section des petits rats de l'opéra, j'ai envoyé mon CV, et comme j'avais aucune qualification, ben, j'ai obtenu le poste. Mais moi, au fond, j'ai assisté à tous les cours de mademoiselle Claude. Je pourrais les donner à sa place. Je lui en ai parlé, mais j'ai vu qu'elle n'est pas très chaude. Mais je pense que depuis la soirée d'hier, elle a changé d'avis. Je lui ai fait un numéro surprise. Ça a donné ceci. Silence qui en disait long sur l'impact que j'avais provoqué. C'est normal, les gens étaient émus. Hein. Pendant tout le temps où j'ai dansé, mademoiselle Claude me regardait, elle était subjuguée, elle était comme ça. Alors bon, bah là, moi, il faut que je vous laisse parce que moi aussi, je suis émue. C'est la première fois que quelqu'un me donne ma chance. Et là, depuis mon petit numéro d'hier, je suis convoquée à la direction. Et là, franchement, si j'obtiens pas le poste, alors franchement, je vois pas ce que je peux faire de plus pour eux.
ira à l'opéra. C'était le sujet imposé à Zidanie pour son 25e passage. Zidanie, vous serez au Festival d'Avignon cet été à la Salle Rouge-Gorge à 18h15. Est-ce que le jury est emballé ou pas? Les notes vont parler pour eux et nous allons commencer par découvrir la note de Bigard. 14. Michel Bernier. 13. Ouh là là, ça se corse. Anso. 13 aussi. Et enfin, Jean-Luc Moreau. 13. Écoutez, vous n'êtes pas un amateur de karaoké, mais en tout cas, c'est vous qui avez mis la meilleure note, Jean-Marie. Oui, Zidanie, moi, je t'ai vu vachement mieux, là, évidemment. Toi, il y a un petit passage où tu nous fais lever les bras, chanter, tout ça. Moi, j'ai mis un point de plus que mes camarades parce que tu as tenu tes dents de rat, vraiment, oui. Tout le temps. Oui. Elles ne se sont jamais barrées. C'était une petite... belle performance. Performance. Et puis, je t'aime bien. J'ai déjà vu faire des choses beaucoup mieux que ça, quoi. Mais voilà, 14, c'est les vacances. Jean-Luc Moreau, vous avez mis 13. Oui, j'ai trouvé que le personnage était intéressant, le sketch était bien écrit, mais j'ai pas trouvé, d'ailleurs tu l'as senti, que l'impact comique était à la hauteur de ce que tu espérais. Donc j'ai mis 13, ça me paraissait être une note loyale. C'est en dessous de ce que vous espériez, Zidanie ? Ben, en fait, moi quand je fais le sketch, comme c'est des... Bah, c'est quand même, on n'a pas tellement de jours pour les faire, donc c'est toujours un peu... On sait pas ce qui va se passer. Ouais. Après, on le donne et puis voilà. Et c'est une question de moment. Ouais. Mais voilà, ça fait partie de la saison et ça fait partie des sketchs. Il y a des sketchs qui sont mieux, des sketchs qui sont moins bien. C'est comme ça. Vous aussi, d'ailleurs, vous êtes parfois plus en forme que d'autres jours. Moi ? J'en avais pas spécialement pour vous. Quoique votre premier passage, vous m'avez été très sympathique parce que vous butiez sur tous les mots. Et c'était difficile pour vous. Et je me suis dit, il s'accroche. Et là, vous êtes devenu impeccable. C'est super. Merci Zidanie, c'est gentil. Merci. N'en demandez pas tant. Anne-Sophie à Paris, vous avez mis 13. Ben, j'ai mis 13, Zidanie, parce que moi, je t'aime bien. J'aime bien quand tes personnages, tout ça. Là, tu nous as raconté une jolie petite histoire, mais il n'y avait pas d'effet comique, en fait. Ça manquait cruellement de choses drôles à l'intérieur. Il est vrai que tu n'as pas été très aidé avec tes dents là, qui se cassaient un peu la gueule. C'était un peu compliqué, mais bon, voilà, c'était pas... Voilà, 13, c'est une note de fin de trimestre, on va dire. Voilà, de fin d'année. 13 pour Anne-Sophie à Paris, et enfin on termine avec Michel Bernier, qui elle aussi a mis 13. Bah, le problème, oui, c'est que ça... Le problème, c'est que pour moi, c'est un personnage qui me donne envie de pleurer plutôt que d'envie de rire, hein, parce qu'il y a le côté pathétique de cette petite fille qui a rêvé d'être ce qu'elle n'est pas devenue, et que tout d'un coup, il y a quelque chose de triste au fond et qui est plus, dans ta façon de l'avoir écrit, il est plus triste que drôle. Voilà, je ne me suis pas trop amusée et pour Dieu sait si tu es capable de nous entraîner dans des salves de rire incroyables. Mais là, moi, j'étais plus prise par l'histoire de cette petite fille. Et puis, je pense que les dents de souris, de rat et tout ça étaient quelque chose qui voulait rajouter à du comique quelque chose qui ne l'était pas, donc c'était un petit peu comme ça. Mais c'est un 13 avec d'affection, quoi qu'il arrive. Moi, c'est bien, merci. Allez, on fait le total des notes du jury pour ce nouveau passage de Zidanie dans l'émission. C'est parti. Ça fait 53 points, auxquels nous allons bien sûr rajouter la note du public qu'on découvre ensemble tout de suite. 53 plus 14. Ça fait 67 points à l'arrivée pour Zidanie. Alors comme c'est mon dernier passage dans l'émission, je voudrais d'abord remercier tout le monde, toute l'équipe bureau, parce qu'on ne les voit jamais, qu'ils nous soutiennent avec beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, qu'ils nous encouragent, et tout, l'équipe à habillage, costume, enfin tous les gens que j'aurais pu oublier, le jury également, et dire que j'ai pas mal appris dans l'émission et que je suis bien contente de cette aventure. Voilà. Merci beaucoup Zidanie, vous aussi vous nous avez fait beaucoup rire tout au long de cette saison. On vous souhaite bien sûr une belle continuation et espère vous retrouver très vite. Abonnez-vous en cliquant ici.